Le ministre national du tourisme, Moderon Simba Matondo, a visité la direction générale de l'ICCN et toutes les structures qui sont à Kinshasa le jeudi 13 mai 2021 sous le guide du DG de l'ICCN, le Dr Cosma Wilungula. Accueilli par la grande équipe de la direction générale, le ministre a commencé ses premiers pas à la tête de l'institution où toutes les explications possibles lui ont été fournies par le numéro 1 de l'ICCN et qui a profité de l'occasion pour lui remettre le différents documents qui lui permettront de mieux comprendre le secteur. Nous avons ici, monsieur le ministre, quatre départements importants. En fait, au nom du département de la lutte anti-braconnage, c'est là qui est représenté par le corps PEPEN, on va le voir tout à l'heure. Au nom du département de ressources humaines, dans le bâtiment avec moi, avec qui gère toutes nos ressources humaines. En réalité, on a un effectif aujourd'hui de presque 4000 agents. À travers la République, mais le 95% de nos agents sont tous paramilitaires. On a seulement 5% d'agents administratifs. Et nous avons le département administratif et financier. Ce sont les deux qu'on va voir dans ce bâtiment. Et puis à côté, il y a effectivement mon directeur de cabinet et les quelques assistants qui sont juste à côté. Alors, ce que j'ai prouvé aussi. Il n'y avait pas un bureau de l'ICCN. Oui, on a en fait dans la ville de Kinshasa, nous avons sur le plan administratif, nous avons quatre sites. Okay. Donc nous avons ici, nous avons le site de la direction technique, lui c'est le chef de département technique et financier, qui était avec nous. Mais nous avons le site qui couvre tous les services généraux, qui est à côté, avec quelques services de conventions internationales, que d'ailleurs on passera peut-être par là. Avec ce qui est. Et nous avons les deux zoos qui sont là, les jardins zoologiques et les jardins botaniques. C'est ce qu'on a comme décidé ici. Alors, on voudrait peut-être, comme on est là, juste vous montrer les quelques outils qui nous guident dans la gestion ici. Nous avons un petit manuel des guides touristiques dans les aires protégées. Qui est fait produit par l'ICCN. Oui. Nous avons un petit manuel également de suivi et évaluation. Nous avons les guides pratiques pour l'élaboration d'un plan d'aménagement et de gestion d'une aire protégée. Nous avons notre conservation, la stratégie nationale pour la conservation communautaire, des relations avec les communautés. Et nous avons les lignes directrices pour l'élaboration des stratégies de surveillance pour la lutte anti-braconnage dans les différents parcs. Nous avons la stratégie nationale de la conservation de la biodiversité, c'est la grande réunion CDB. Et tout ça, nous avons pu monter. Et le socle, c'est la loi sur la conservation de la nature. Et puis, la loi des principes fondamentaux qui sont relatifs aussi à l'environnement, qui est complémentaire pratiquement avec cette loi. Donc, je remets tout ça. Et ça, c'est le livre de Sylvie Virunga. On est en train de terminer toutes les versions. Ça, c'est le Salonga. Donc on a pété tout ça pour vous, monsieur le ministre. Ça fait. J'ai déjà visité les gens. Bon, monsieur le ministre, ça aussi c'est pour vous. Et là, on a la carte de toutes les espèces qui sont totalement protégées. Et qu'un homme ne peut pas détenir. Parce que la détention, la commercialisation, comme on le dit, leur détention, leur chasse, leur braconnage et leur commercialisation sont des infractions à la loi. Ça fait, on va devoir aussi. Même la civette. Oui, même la civette. Thank you.
Après la direction générale, le ministre s'est dirigé à Batetela, où se trouve la coordination CITES et d'autres services avant de se rendre à la direction du corps de protection de parcs nationaux et réserves à Parenté, où il a été accueilli par le général-major Massibamba. Le ministre a fini sa course au jardin zoologique de Kinshasa, où il a fait un état de lieu et par cette occasion, il a rencontré un groupe d'étudiants qui l'a sensibilisé sur le changement de mentalité. Moi, je réponds au nom de Josué Ngelimono, étudiant en sciences de l'environnement à l'université de Kinshasa. Quelle promotion ? En L1, tous en L1. Voilà, nous sommes ici en train de faire le TP de zoogéographie. Précisément, nous sommes du département de la biodiversité. Voilà, nous sommes venus visiter, mais la réalité que nous voyons sur le terrain n'est pas bien, n'est pas bonne. Vous voyez, nous étudions dans des conditions difficiles, mais nous sommes dans l'environnement. Mais venir faire les TP ici, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Et c'est l'occasion pour moi de vous poser la question, quelle est votre politique ? Quels sont les moyens de votre politique pour entretenir ces sites? Maintenant, je peux te répondre. Oui, oui. Comme tu es ivoirien, donne-lui un peu de lunettes. Tu es scientifique, donne-moi les lunettes. Tu sais, même dans la critique, il ne faut pas être dans l'extrême. Mets un peu de lunettes. Peut-être que tu vas voir. Voilà. Moi, je suis ingénieur de formation. Donc, ça veut dire. À la différence des zéros, c'est quelque chose. Maintenant, j'aimerais que tu sois honnête vis-à-vis de tes propres déclarations. En entrant ici, tu as vu un crocodile ? Des crocodiles ? Oui, j'ai vu. Oui. Tu as vu l'autruche ? Oui. Tu as vu l'antilope ? Tu as vu le python ? Alors, première fausseté de ta déclaration directe. Donc, dans les zoos, il y a quelque chose ? Maintenant, répondez-moi. Oui, il y a quelque chose. Au lieu de progresser, on régresse. Première des choses, on est maintenant d'accord qu'il y a quelque chose. Oui. Voilà, maintenant je vais te répondre pourquoi je suis ici. Je suis ici, je suis en train de faire ce qu'on appelle un état de lieu. Nouvellement nommé, je n'ai signé encore aucune lettre. Et lorsqu'on est nommé ministre, qu'on arrive quelque part, on fait ce qu'on appelle un état de lieu, qui demande aux gestionnaires qui sont mis à la disposition de ton ministère de t'écrire, de donner l'état de lieu. Lorsque vous recevez ça et vous faites une descente sur le terrain pour comparer. Imaginons maintenant que si tu étais mon conseiller, tu allais m'écrire et rien. C'est ce que je commence à prêcher d'abord. L'amour du pays. La mauvaise publicité. Parce que moi, comme ministre du tourisme, je suis le marketeur de notre pays, l'image de notre pays. Tu m'aurais dit, je constate la vestigie. Voilà. Je constate le manque d'espèces. Il faut d'abord refléter l'esprit de vérité nous-mêmes. C'est comme ça que tu pourras sortir, malgré que tu es étudiant, tu sors, tu fais un mauvais tweet. J'étais au jardin de Kinshasa, rien. En mettant ça sur les réseaux sociaux, parce que les amis de tes amis sont tes amis, parce que tu es scientifique. L'étudiant camerounais qui est relié avec toi, il dira quoi? Il n'y a rien. Est-ce que tu fais la pub pour ton pays? Voilà. Et Dédé, parce que je suis en plein boulot, ce que je vais faire, quand vous êtes un petit groupe réduit et que vous menez les recherches, revenez me voir au cabinet calmement, je vous accorde un jour d'audience. Le mardi, je vais vous recevoir. Ne dépassez pas 10 étudiants. Sélectionnez-vous entre vous, comme ça on parlera. Scientifique, mais ça va se transformer en politico-scientifique. Au terme de sa mission, le ministre national a livré ses impressions sur sa visite. On continue à faire ce qu'on appelle les états des lieux, des descentes sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons
commencer par l'Institut congolais de conservation de la nature, ICSN. Ensemble avec le directeur général, nous avons fait une descente sur terrain des sites. Nous avons rendu visite au corps de protection de nos parcs et nous avons visité leurs conditions de travail. Nous avons visité leur centre des opérations qui est très moderne et nous sommes ici présents au jardin zoologique de Kinshasa. Et comme je vous l'ai dit, nous avons reçu quand même une instruction du gouvernement pour remettre ces jardins dans son fonctionnement normal. Et nous allons attendre les études qui seront faites par la direction des études et la direction du jardin, la direction des études de l'ICSN et les gestionnaires du jardin. Et nous verrons dans le cadre des fonds de promotion du tourisme comment apporter de l'aide à ces jardins qui, de notre enfance, étaient une destination précieuse pour les enfants. Excellence, je vais vous poser la question comme cet étudiant qui venait de vous dire qu'au jardin ici, il n'y a rien. Vous êtes sur place ici au jardin de l'écologie de Kinshasa. Qu'est-ce que vous avez vu de vos yeux vous-même? Je vous ai répondu qu'à la différence des zéros, c'est quelque chose. Sur une échelle de 10, si vous avez 3, vous n'avez pas 0. Si vous avez 4, vous n'avez pas 0. L'objectif, c'est d'atteindre la moyenne qui est 5 plus 1 ou 5 plus 2. Donc, vous avez vu, on a vu des autruches, des crocodiles, des antilopes, de l'autre côté, buffles de Brésil, des boas. Effectivement, avec la période du Covid, ils ont perdu quelques espèces. Nous allons aussi demander au gouvernement provincial de Kinshasa, qui doit être partenaire direct de ces jardins, parce que la population qui vit, c'est la population d'abord de Kinshasa, avant d'avoir des touristes d'ailleurs. Dans le cadre du lancement du tourisme scolaire, eh ben, le jardin est éligible quand même au financement du fonds de promotion du tourisme. Et nous allons activer la machine. La question reste, c'est définir la collaboration entre les jardins zoologiques et l'Office national du tourisme dans la gestion prochaine du jardin. Et ensemble avec la VEPM de l'environnement, nous allons voir comment activer même la ligne budgétaire de l'ICSN pour que cette fois-ci, qu'ils aient quelque chose avant que le pire arrive, la disparition du jardin. Donc. Signalons que l'ICSN est géré par 3 ministères, à savoir le ministère de l'Environnement, le ministère du Tourisme et le ministère de la Défense nationale.